Bon, salut le vlog. Je poste du coup mon premier vlog. Là, c'est celui que vous êtes en train de regarder. Mais du coup, c'était pour faire une petite intro parce qu'il est vrai qu'il y a certaines personnes que j'ai même pas informées. Mais j'ai eu mon stage de 4e année à Saint-Barth et du coup, je me suis dit que pour avoir des souvenirs et pour vous montrer ma vie, j'allais vlogger parce que j'aime bien vlogger finalement. J'ai kiffé faire ça. J'espère que ça va vous plaire. J'ai tenté de faire des trucs stylés niveau montage, donc voilà. Donc le début de ce voyage commence plutôt bien puisque rendez-vous à 4h30 pour l'avion à 6h. Pour au final, j'ai failli louper parce que je suis rentrée dedans à 5h58 précisément. À 2 minutes, je ne rentrais plus dedans parce qu'une dame n'a pas voulu me laisser passer à cause de mon bracelet qui s'enlevait pas. Donc voilà. Et j'ai aussi payé, enfin maman, merci maman, m'a payé 100 € parce que j'ai fait un supplément. Voilà, c'était le début de ce super voyage. Maintenant, je vous laisse avec la suite. Faites pas attention à ma tête, mais c'est le premier réveil. Ça c'est fin hier du coup, on est arrivé vers 16h je crois. 15h-16h, on a récupéré la moitié de nos valises. On est allé voir l'entreprise, le travail, c'est sympa, je vous ferai un retour lundi. Et là du coup, on a visité la maison, on est allé prendre un verre avec des gens du travail, mais on est rentré assez tôt pour dormir, genre vers 20h. Et je vais vous montrer la vue dès le matin, mais le soleil se réveille à 5h ici. Il est 8h et on va partir direct à la plage parce qu'on va faire course et nettoyage ce soir. Et me regardez la vue. Un peu les prix parce que je pense qu'on peut tomber sur des pépites. Là, qu'est-ce qu'on a? On est allé à la mer ce matin, j'ai même bronzé. Je vous montrerai pas mon bronzage parce que c'est au niveau de mes fesses. Et puis, bah, moi, ça fait les courses. Les gars, les Babybel, ils sont à 10 €. Les gars, le litre de Polyakov, il est à 5 €. Et ça va se mettre des murges. On va à Gustavia, c'est un peu la grande ville par ici. C'est le deuxième jour, on a bien dormi. J'ai un peu bronzé hier, regardez, j'ai des coups de soleil. Mais du coup, voilà, j'ai vlogué tout ça. Ça a l'air super beau et super sympa. Il y a la mer de partout encore une fois, c'est trop bien. Donc bah, vous allez tout voir ça maintenant. Bon les gars, on est en train de faire les darons, mais regardez cette baraque, elle coûte 45 millions. Waouh. Là tu fais 33 la semaine. Bon après c'est vrai qu'elle est vraiment belle elle, hein, mais... Bon bah c'était la période daron. On y retourne. Noé, l'ami des chats. Ouais, la France, RPZ. Mmh.
Bon, du coup là on est à la recherche du fort, mais on est arrivé sur une base militaire, on n'a pas le droit de rentrer. Du coup on est toujours à la recherche du fort. Mais sinon c'est vraiment sympa, mais comme c'est dimanche, tout est fermé. J'accepte, on a monté ça pour une belle vue, je vais vous montrer. Tadam! Les avions, parce que Saint-Barth c'est l'aéroport, un des aéroports le plus petit au monde, et en fait la particularité de cet aéroport c'est qu'il est juste derrière une montagne, donc l'avion il doit genre monter et il doit tout de suite redescendre d'un coup. Du coup on va voir. Incroyable. Tu l'as vu? Ouais. Regardez les gars, il y a des tortues, il y en a de partout sur l'île, on en a croisé plein, mais elle est vraiment toute petite. Est-ce que si on se rapproche, elle se met dans la carapace en mode elle a peur? Je sais pas, là, elle a pas l'air. Hein. Ouais. Et là, il y en a une, je pense que c'est sa maman. Et il y en avait une là-bas, mais je la vois plus. Elle est vraiment trop mimes. Moi, je vais adopter ça. Oh. Est-ce que tu penses que tu peux lui caresser la tête? Comment on dirait, elle a un masque. Genre, un peu, en vrai. De viking, genre. Mais est-ce que tu penses que c'est de la maltraitance animale de ramener une tortue dans notre jardin? Bah non, on lui donne des feuilles de salade, elle va kiffer hein. Oh, il y en a une toute petite là, regardez. Ah. En fait, c'est un zoo ici, il y a une poule. Il y a à côté de la tortue, tiens. Et là, il y a les chèvres, elle est où? Elle est là. Je sais pas si vous la voyez. Ici. Et tous les animaux si vous voulez. Bon, et du coup, là, nous allons avec nos petites palmes et nos tubas. Nous allons à la mer pour voir le coucher de soleil. On va à la plage des Colombiers, je crois. Je crois que c'est ça. Du coup, voilà. Mais regardez la vue. Trop beau. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time. Just enjoy the ride. I know man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, something new, somewhere I can find myself. Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. Je crois qu'on veut pas être plus heureux que là actuellement. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. C'était mon premier vlog, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'avoir vu la plage vous a mis de bonne humeur. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite parce que j'ai plein de trucs à vous montrer.